Christophe Maé est de retour en musique avec son nouvel album Si est drôle la vie, sorti ce vendredi 17 mars. À cette occasion, le chanteur s'est confié à Téléstar sur le couple qu'il forme avec Nadège, sa force au quotidien. Révélé dans la comédie musicale Le Roi Soleil, dans laquelle il partageait la scène avec Emmanuel Moir, Christophe Maé a continué son bout de chemin en solo. Une brillante carrière couronnée de succès avec des tubes comme On s'attache, Belle Demoiselle ou encore Il est où le bonheur et des concerts à guichets fermés. Si est-il tout simplement devenu l'un des chanteurs les plus populaires en France. 3 ans après la vie d'artiste et la réédition pour les 15 ans de l'album Mon Paradis l'année dernière, Christophe Maé revient ce vendredi 17 mars avec un nouvel opus, le 7e, C'est drôle la vie. Le chanteur avait dévoilé en amont la couverture sur son compte Instagram avec ce petit message, cet album, si est-il le temps qui passe et l'urgence d'en profiter. Christophe Maé, on essaie d'être à l'écoute de l'autre. Le chanteur partage sa vie entre la scène et sa famille. Mais s'il est stable dans sa carrière, il l'est aussi dans sa vie privée puisqu'il est en couple avec Nadège Sarron depuis près de 20 ans. Une danseuse avec laquelle il a trouvé le bon équilibre, elle a tout vécu avec moi, elle a connu les soirées au piano bar. J'avais une 4 litres pourrie et elle m'aidait à porter mes enceintes. Quand je lui ai dit que j'avais trouvé un appartement à Paris et que je lui ai demandé de venir avec moi, c'était une chambre de bonne de 11 mètres carrés, avait confié le chanteur à Télé Loisirs. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Jules, né le 11 mars 2008 et Marcel qui a vu le jour le 16 août 2013. Une relation basée sur la confiance et la distance, comme il l'a expliqué dans une interview accordée à Téléstar, le secret de la longévité dans le couple, si est-il l'absence. Le fait de partir, de m'épanouir dans ma passion nous permet de mieux nous retrouver. Ça se cultive de faire durer les choses dans le couple. On fait des concessions, on essaie d'être à l'écoute de l'autre. À cause de ma vie de saltimbanque, si est-il elle qui a posé le cadre de vie à la maison. Quand je débarque, tout déborde. Je suis un peu le pote de mes enfants. Des enfants qui iront sûrement voir leur papa sur scène chanter son tout nouvel album.